Et là, nous sommes là. Nous avons juste servi avec mon téléphone. Non? Oui, il est bon. Ok, il est bon. Je suis servi avec mon téléphone. Nous ne sommes pas trop fidèles, mais nous avons pris un conseil. On dit que nous avons pas de maman, tu es grand. Et puis, on a les noms, mes amis. Je ne vais pas prêter un peu, puisque je ne vais pas servir. Je ne vais pas même rester bien avec nous. Et bien, mes amis, je salue nous, je remercie jeudi à ce vendredi lié, ce week-end. Sandra Vanakala, Rodriguez avec nous sommes dans la nous on est sur la rue New York, on a parlé de Jacqueline et Jean-Cy Augustin avec Valerio, monsieur New York là avec tous les techniciens New York, nous serions avec eux là près de 3 ou 4 techniciens avec eux, capables de côté image que nous avons gardé et aidez-nous pour l'image ça pour nous capables bien où ça va passer dans New York. Jeudi à ce vendredi. Et le premier ministre haïtien Ariel Henry qui pour le parler, la parole aujourd'hui à même. Et c'est un petit peu parce qu'il est dans le programme après-midi. Écoutez-moi, il y a là, très certainement, la bien pour parler dans l'après-midi, peut-être après 6 heures. Et selon ça que nous gardons dans la programmation. Actualité super internationale, on a bon gros nouvelles aux États-Unis. Il y a l'autorité de la justice dans New York qui sont inculpées là. Ça va que nous entendons. Je voudrais culper sénateur et Bob Menendez, qui est président du comité affaires étrangères dans le Sénat. Et monsieur, c'est sénateur New Jersey. Et bien, il a inculpé monsieur pour corruption. Et il semble qu'il y ait 3 chefs d'accusation qui sont sous là. Et qu'on a fait de montrer l'argent, monsieur, de compter prendre mon gouvernement étranger. Je crois que d'après ça, c'est l'Égypte. Et monsieur, il y a même ça, madame, il y a plusieurs. Et en pile Lola, hein, en pile Lola, et puis il prend même, on sait de plaque d'or, on sait de. Et ça, et Mosolo, et que FBI a débarqué la Caïssa, il prend, et bien, enquête là-bas, et il y a assez de preuves pour accuser le sénateur. Mais c'est pas pour ça, non, parce que il a accusé le sénateur, on l'a déjà, sous même de ses corruptions, mais il n'est pas devenu coupable. Il faut ça encore. Donc, il n'y a pas qu'à présider, d'après le règlement sénat, pas qu'à présider la commission. Affaires étrangères sénat encore, son lot et sénateur qui va présider. En attendant, ça a fait la l'affaire du jugement qui fait, a fait l'examen, il y a un coup de pelli. Et puis, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui était à Washington. Et bien, monsieur était marché, et, que ce soit dans le Congrès, que ce soit dans la Maison Blanche. Justement pour dire qu'il va pouvoir nous et assistance et militaire et financière pour permettre qu'il fasse la guerre avec l'Ukraine. Donc c'est dossier ça. Il vient pratiquement sur le plan international, pas vraiment grand bas. Et puis c'est dossier des Nations Unies qui a continué aujourd'hui. Et dossier Haïti a toujours dans son débat. Nous rappelons que président Kenya et William et bien Ruto. Et bien lui-même il était pour la parole, côté de l'encourager la communauté internationale là pour lui-même. Pour porter bourré et pour assister pour permettre de prendre tête force multinationale ça pour mettre la paix avec un corps qui prend le travail avec la police nationale là pour aller et combattre les gangs armés. En parlant de gangs armés, il y a un chef gang armé qui c'est Barbecue. Et bien, monsieur dit lui-même qu'on y a là et il prend les. Zam n'a viré contre le premier ministre Henry, donc monsieur, vous mettez ensemble, mais vous dites pas le nom de l'armée contre le premier ministre Henry. Et puis, n'a pas du Canada, prend sanction contre 3 membres du secteur privé haïtien. On a parlé de monsieur Brown, Accra, et puis Brown, Accra avec VOP. Et avec VOP, voilà. Donc, c'est sanction, et puis le premier ministre canadien. Et Justin Trudeau qui est en contact avec le ministre Ariel Henry, et bien il dit que l'été quoi, il dit que le monde parle tant d'elle que ou pas, et bien il dit quoi que la crise haïtienne dans le passé, certainement pas. C'est aux Haïtiens eux-mêmes qui bouchent ensemble, qui vont résoudre la crise, et c'est pas la communauté internationale là, même l'appel à penser pour que la communauté internationale là, autre contribution pour l'aider dans résoudre la crise. Mais il dit que la solution de la crise haïtienne dans le passé nécessairement, pas la crise. Parce que pas haïtien eux-mêmes, acteurs haïtiens eux-mêmes. Le président dominicain, Luis Abinader, continue à faire un plaidoirie pour que la force multinationale qui a aidé
et Haïti, même les dit que problème Haïti a dépassé Haïti, il dépassé République Dominicaine, mais demandé à ce que force ça allait aller. Pendant ce temps, et construction canal là pour aboutir, en pile monde a encouragé, même diaspora qui est rentré dans cause là, on a fait cotisation un peu par-ci par là pour venir porter bourré, pour venir aider pour que le canal a continué et population dans la zone là maintenant mais eux même yo voulait pour que yo d'accord pour yo et faire travail là pour que yo faire canalisation. Pendant ce temps du côté dominicain, dominicain était un barrage qui était campé sous lui. Et bien, lui a commencé à travailler avec le barrage là. Tout ça veut dire qu'au lieu de 11 gouniales, t'as suivi par 12 gouniales là. Alors qu'il y a babier pour lui dire pour Haïti fermé. Et campé sous le sal, tu gagnes le barrage que lui prend en aval, sous rien massacre. Donc, mais ça va empêcher que le travail là, la continue. Dans l'autre barrage que je pour nous, pour nous parler de ça avec nous, c'est oui, le premier ministre canadien, en Belgique, la police nationale, là, 80 millions de dollars qu'il a annoncé ensemble avec le premier ministre canadien qu'il a rencontré. Et bien, la police nationale a 80 millions de dollars, c'est vraiment pour acheter équipement et toute assistance que la police nationale a besoin pour qu'elle soit capable et en mesure pour faire face et avec l'insécurité qui va se faire augmenter. Nous disons que M. Gang, il a fait la paix, il a fait la paix, il a fait une sorte de coalition. Mais il dit que, jusqu'à preuve du contraire, au Cafoua, le national numéro 2 a relouvri, comme le national numéro 1 a relouvri, le monde qui va se canard, qui va passer. Et Kounia dit que, bah, la vie, Kounia, tout le monde qui débat aux armes, etc., mais il va le virer contre l'autorité en place pour le capoter, le Premier ministre Ariel Henry. Ça me dit encore. Et bien, nous ajoutons qu'il y a plusieurs rencontres qui ont fait encore sur Haïti dans New York, et particulièrement l'administration américaine, il y a plusieurs rencontres qui ont fait, et certainement Haïti toujours dans son débat dans New York. Et en plus, nous avons posé des questions pour regarder qui n'y a pas de tête une force multinationale pour aller aider en Haïti. Et puis, belle bagaille, sélection nationale de football féminin. Ben, il a remporté une victoire 1-0 devant Osaka. Et n'a pas de match des Haïtiens. Ouais, Jean-Dominique a pris des Haïtiens, des Haïtiens. Mais les caméras étaient montées dans les Haïtiens qui ont célébré les Haïti. Les Nerilia, Nerilia, qui a marqué un bon goal. Ça, un bel goal. Son un échappement, tu as dit. Et nous passons, et puis Haïtiens prennent le ballon, ils vont le bailler. Et puis ils ont qu'un deux passes sur défense dans le bon jeu là. Avec Nélia, on peut passer sur défense. Là, on fait deux passes. On peut paralyser la défense parce qu'il y a des gens qui passent tout fait. On ne peut pas gagner au café. Le gardien sorti, mais malheureusement, ça n'a pas marché toujours. Et puis, il y a un ministère des Sports qui dit qu'il était écrit. Fédération, pas fédération, fédération, mais comité, et de, comité pour gestion. Fédération football haïtien. Pour le demander pour déplacer match Haïti gain. Pour jouer. Tout match Haïti actuellement, c'est un peu de 2000 gagner au jeu. Ça, c'était sous demande qu'on regarde là à cause de problèmes de situation sécuritaire là par un pays qui voulait jouer et qu'on regarde bon, au départ, il parlait de tout risquer, jouer pour aller jouer dans un pays qui n'est pas une sécurité. Eh bien, le ministère des Sports dit que devant l'aide par la commission, comité normalisation, pour demander pour se déplacer, pour déplacer le match à Haïti à vieux, mais l'aide là est le 18, donc Haïti le match à le 20. Donc, le 21, donc on a bien temps du tout pour bien temps jouer dans leur pays. Donc, très certainement, espoir, c'est que le prochain match à Haïti, très probablement, il est capable de jouer dans l'autre pays. Et il y a des gens qui ont suivi pour ça que Haïti n'a pas joué Miami Vito, pour qu'il y ait une grosse communauté haïtienne. Et là, et Haïti a joué Miami, le public est toujours très content, toujours bien content, il y a le support des sélections. Donc, je suggère que Haïti a joué Miami ou bien éventuellement. Et Fort Lauderdale qui est tout près. Et qui est tout près parce qu'il y a un Inter-Miami qui est là et c'est UTK. Donc, on attend de voir est-ce que le comité de normalisation prend le point et que ce match n'est pas à prendre compte, il faut prendre le compte avec CONCACAF pour décider finalement. Parce que demain, on va faire le devant officiel et c'est seulement CONCACAF qui a fait demain là pour justement les pour. Et au lieu pour Haïtien, on ne peut pas appeler à jouer. Il y a un monde qui est suggéré que
les Haïtiens ont pu passer de l'économie tellement par rapport à la façon que l'immigration dominicaine a été haïtienne parce qu'on chasse à l'homme qui a fait contre immigrants et immigrants. Il y a des gens qui tournent volontairement sur la frontière, mais il y a des gens qui sont déportés. Et d'après ça qu'il dit, il dit que l'autorité dominicaine a arrêté puisque environ 108 personnes dernièrement dans nos zones à cause de pas de documents qui prouvaient que légal dans le pays. Donc le dominicain a arrêté eux et il a fait maintenant une prison qui est en prison Aina. Au centre de détention, c'est là où les immigrants haïtiens super déportés, qui ont passé quelques jours là, après ils ont fini de se passer, ils ont déporté, ils ont déposé sur la frontière du pays au partage. Mais ils ont gagné tout et puis moi j'ai commencé à compter sérieusement par un République dominicaine, mais surtout du côté haïtien vers le nord, parce que pas de marché, pas de produits dominicains que nous avons lâché, et on n'est pas calme dans le pays qui a lâché. C'est vrai que je suis des commissaires comme ça, qui dit que là, puis chercher l'autre moyen, l'autre alternative pour que Haïti approvisionnel en manger. Donc, il n'y a que d'attendre pour nous ça qui a passé. Tout comme tout, l'autorité dominicaine qui pourrait acheter produits périssables dans les fermiers dominicains et commerçants, et bien, pour faire cadeau pour bain l'école, surtout dans la cantine. Continuer scolaire, yo. Mais on dit tout en même temps, tout y a payé à chercher l'autre marché tout pour commerçants dominicains. Parce que c'est la main qui a payé à jeudi, à ce vendredi, week-end. Ici, j'ai commencé. Nous rappelons que pas d'alcool soit conduit et sauve les bois alcool ou pas conduit et sauve les conduits ou pas bois alcool. Et même en tant que passager, pas de chida dans le marché, on qui finit de consommer alcool. Et week-end a commencé, donc je dis à bien entertainment, ça veut dire bien nouvelle souveraineté, ça c'est va Serge Rodriguez. On va parler de pour l'immigration, recommencer encore sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là. Paquet d'immigrants qui débarquent dans la zone, dans la ville frontalière, qui traversent même et qui ont fait arrêter eux-mêmes pour passer remarquer que les États-Unis ont un problème. Et c'est ça qui dit que d'après l'expérience, les États-Unis sont pas capables de faire process ou bien encore et analyser dossier ou bien préparer dossier immigrants qui traversent les frontières illégalement. Donc ça veut faire un. Je l'ai carrément, bah, on t'attend de vous à le tribunal, je l'ai. Et ça, que un peu l'autre monde qui n'est pas d'accord à politique ça, à babier pour ça. Mais l'autorité dit jusqu'à présent, depuis mardi, il y a plus que 8 000 immigrants qui traversent les frontières de façon illégale qui viennent. Donc, je vais vous parler de dossier ça. Et c'est surtout dans la zone Tijuana, dans la zone El Paso, et dans la zone San Diego, et dans la zone Eagle Pass. C'est là surtout les immigrants qui viennent. Et ils prennent tout le monde impossible. Ils prennent autobus, ils prennent train cargo, donc train cargo et marchandises hypothèques. Ils vous disent sous tête train. Donc c'est un dossier qui est nouveau, donc c'est même quantité, niveau surge, ça n'est les remonter avec quantité, augmentation, ça allait presque livré, presque dans le même niveau avec l'ITE en mai 2000, en mai 2023, le président Joe Biden a campé le programme et mesures sanitaires ou bien encore loi sanitaire TICAN2A et il a annoncé un série de mesures sévères contre le monde qui t'a venu sur place sans rendez-vous. Eh bien, non seulement il y a des portes, mais il y a 21 jours pour rentrer aux États-Unis et pendant 5 ans, quelle que soit la façon, même si la situation économique ou sociale a changé, on va être sur 5 ans pour rentrer aux États-Unis. Ce sont des séquences qui sont pour en pile. Et puis, l'administration américaine et les Vénézuéliens, il y a près de 400 000 Vénézuéliens et statut de protection temporaire. CPS, mais à condition que tu es dans le pays avant 1er août 2023. Donc jusqu'au 31 juillet, si on Venezuela était aux États-Unis, bien, et l'administration à Bao, elle s'est positionnée dans le pouvoir. Et c'est des sous-demandes, et Maïsan Murphan rappelle que tu es dans la lutte que le gouverneur État Texas là, et Greg Abbott a fait, et bien, tout le monde qui était pour la carrière, mettez-vous dans la ville sanctuaire, les villes sanctuaires, ville que les démocrates ont dirigé dans New York, Chicago et Boston. Et bien, mettez-vous là, New York, c'est côté de Chicago, Moussoua. Et jusqu'à présent, Maïssa n'est pas arrivé capable de payer le logement, pas tout le monde qui est là, mais Maïssa a fait une demande par l'administration
l'administration a aucun demande. Donc, près de 400, plus parce que 400 et Vénézuéliens, mais actuellement, qu'il y a là, ils ont bénéficié de sa protection temporaire. Et maintenant, à condition qu'il est déjà dans le pays avant 1er août 2020. Donc, ce qui est important pour nous-mêmes, qui est haïtiens, qui est dans le pays à tout, mais que nous-mêmes, nous avons l'autre moyen pour nous et vivre de façon légale. Mais quand même, en pays haïtien qui vit dans le pays après dernier après l'an mort président Jovenel Moïse, et qui peut bénéficier de statut de protection temporaire, mais qui est dans le pays quand même, étant donné que l'administration a pensé sous cadre. Nous va parler avec Guerline Joseph, qui est un militant qui a défendu les droits immigrants noirs. Pas seulement haïtiens, mais les droits immigrants noirs. Et bien, je me suis dit que c'est bon, qu'il y a assez de travail, parce que nous, pourquoi maintenant, car là, Valerio et Jacqueline Gentil, et bien, il y a porté pour nous exactement ce qui a passé dans l'Assemblée générale, dans l'Assemblée générale, 4e journée. Je dis à ces présidents, dernier président, qui nous parlait. Je dis à c'est tout par le premier ministre qui a fini de parler et puis demain c'est le commissaire africain. Parce que dans les Nations Unies, il y a trois catégories de monde. Le président a parlé avant, ensuite nous avons le premier ministre, le chef de gouvernement, et puis après ça, nous avons le ministre africain qui a même pris la parole. Salutations à tout le monde, on était content avec nous et on a parlé encore. OK? Bye bye.